وهذه الممارسات الممنهجة هي تعتبر إمحاء للآخر، إلغاء للآخر. Les djihadistes avaient une intention de démolir cet emblème. Ce que Daesh a voulu faire, c'est nier l'identité collective. The destruction of Palmyra, the savagery in Aleppo, the overrunning of Mosul in Iraq, and Timbuktu in Mali, call to arms for people of goodwill to come together to save our cultural heritage. It was really hurtful and devastating, and the first thing that came to mind is this should never ever happen again. Alif est né d'une tribune, la culture contre la barbarie. Il fallait à ce message de peur et de mort opposer un message d'espoir et de reconstruction. L'objectif ultime, c'est protéger le patrimoine pour construire la paix. Moments like this, unfortunately, sometimes have to create a better good. And the better good that came out of this is when we came together and said, enough is enough. We want a better future for the next generation. We are not going to sit and do nothing while civilizations and history and heritage are being torn down by these barbarians around the world. La France devait d'être tête de file de ce projet. C'est un outil du multilatéralisme de projet concret dans l'action. Un des parents pauvres dans le droit international humanitaire, c'est les biens culturels, la protection des biens culturels. Donc ça tombait très bien pour que la Suisse s'investisse. Ça, c'est notre premier projet au Soudan. Oui, on n'a pas encore projet au Soudan. Alif is a new kind of international instrument. It functions in an incredibly reactive way with a speedy response to requests from the ground. The core of how we work is the Alif spirit. Action, action, action. Il faut que le projet soit vraiment fiable, porté par des associations ou par des organismes connus. Il faut que les communautés qui vivent à côté de ce patrimoine soient intégrées à la démarche. Et il y a un volet aussi formation, sensibilisation qui est pour nous très important. Le projet doit respecter des normes précises, mais qui sont fondamentalement liées à la capacité des populations de continuer à mettre en œuvre le projet. L'idée, c'est que la contribution de l'Alif soit un point de départ d'un processus de conservation durable du patrimoine. Pour avoir travaillé avec plusieurs bailleurs internationaux, Alif, ils ont une certaine flexibilité qui est absolument indispensable pour travailler dans ces zones où il se passe beaucoup de choses difficiles à prévoir. Ce n'est pas juste des bailleurs, ils ne donnent pas juste de l'argent, ils accompagnent vraiment dans la construction du projet.
une organisation dont l'Afrique a besoin, dont les musées africains ont besoin. Si demain nos enfants et les enfants de nos enfants arrivent à voir les objets, ce sera en partie grâce à Alif. On doit montrer aux populations que leur identité n'est pas unique, elle est multiple. Avec le passé, on peut se construire un futur. Quand on soutient des projets, on a l'espoir que ce projet-là contribue au vivre ensemble, au dialogue entre communautés, à la stabilité et la paix dans la région. I think that Dostoevsky was right when he said that beauty will save the world. Whether it's Palmyra or Bumiyan or Aleppo, beauty is its own form of truth. And by preserving that beauty, we remind all of us of our common humanity.